taken them so long? Have a little faith. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur une petite annonce de commentaire du nouveau DLC sur Total War Warhammer 2 et son free DLC, Le Chasseur et la Bête, ou en anglais The Hunter and the Beast. Donc on va commencer à décortiquer le trailer. Je vais baisser un peu le son. Hop, donc là on voit un chariot de guerre impérial avec des tireurs qui tentent de mettre, de venir à bout d'une grosse bête qui les pourchasse. Un gros lézard qui tire dessus à fond. Donc là il se barre. Et là tous les lézards se rameutent évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ce monstre, c'est un Dreadsaurien, c'est un gros lézard géant, donc une sorte de crocodile, mais plus gros, donc je sais pas si. Je vois pas qu'il y a de skin dessus. Donc ça va être une grosse bête indépendante. Et à mon avis, il aura une capacité genre peut-être anti-infanterie, cause la terreur ou perce armure, ça m'étonnerait pas quoi. Et là, ça y est, tous les lézards se rappliquent avec des crocs et tout ça. Et hop, le croco qui se cogne et qui râle, parce qu'il est pas content. Et là, on voit un système de. On dirait une sorte de fortification avec des impériaux, des archers sûrement sur les hauteurs, avec un système de barricade. Donc là on voit un général avec un arc particulier qui rassemble tout le monde, donc ça va être lui le commandant de la force. Une unité d'archers ou de chasseurs, donc les impériaux vont avoir enfin leurs archers et leurs chasseurs, ce qui est plutôt cool. Il était temps parce que je trouve que les arbalètes c'est bien, mais les archers c'est mieux je trouve, au niveau de la cadence de tir. Allez là, la mobilisation des troupes se fait. Le pauvre chariot, hop. Là je sais pas, là je vais peut-être partir dans la surinterprétation, mais quand je vois cet uniforme vert, j'ai l'impression que c'est pas des arquebuses ordinaires. J'ai l'impression de voir des tireurs d'élite du Hochland, donc je sais pas si ça a été annoncé, mais pourquoi pas. Donc pourquoi pas avoir une unité de tireurs plus restreinte en effectif, mais qui est plus puissante et plus performante, un peu comme les Jedi Scavengers. Ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas s'ils vont exister ou non. Allez, là, tout le monde se rapplique pour l'assaut sur la base. Top. Ah bah dommage, je l'ai loupé. J'essaie de le remettre. Je vous présente le général impérial du DLC, à savoir Marcus Wolfhard, appelé le Jagdmarschall de l'Empire. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Où est-ce qu'il est? Donc ça c'est. Hop. Je suis dessus normalement, oui. Hop, où est-ce qu'il est notre ami? Donc là c'est Marius Ledford. Voilà, Marcus Wolfhard, pardon. Donc c'est un chasseur, il est appelé le Jagdmarschall, qui est en gros le titre de capitaine des éclaireurs de l'Empereur. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un chasseur de monstres comme règle spéciale, donc je pense qu'il aurait un atlantique large, qui me semblerait logique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Il est peut-être indémoralisable, peut-être une capacité qui rend démoralisable lui et ses troupes dans un certain périmètre. Il a l'arme magique qui est l'arc d'ambre, qui lui a été confié par l'empereur en personne parce que l'empereur était impressionné par sa détermination de chasser des monstres. Ce qui est plutôt pas mal, donc c'est une arme magique, donc dégâts magiques, peut-être projectile perforant, qui sait. Mais bon, je pense que ça va être un bon général. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire en dégâts. Donc un arc d'ambre béni par le collège des. Voilà, les canons qui tirent. On voit une unité. Alors on a vu des Crocs Sigurd, mais ils ont l'air
plus puissant que d'habitude. J'ai l'impression que c'est les Crocsigur anciens. J'ai pas trouvé d'unité à leur nom ou de figurine. Peut-être que vous trouverez mieux que moi là-dessus. Et à mon avis, je serais pas étonné de les voir genre plus puissants que les Crocsigur initiaux et peut-être avec d'autres bonus différents. Peut-être de l'anti-large, qui sait. Hop, on voit un des chariots de guerre avec un feu d'enfer dessus. Donc pourquoi pas voir aussi avec un mortier, ça pourrait être marrant. Et tir, mais le problème, ça serait la propagation des tirs. Si vous bougez, je pense que s'il va y avoir un impact au niveau de la précision, ce qui semble normal. Donc là, c'est un carnage hein, des deux côtés. Marius qui pend son arc. Et là, le deuxième seigneur du DLC. Je vous présente Nakai the Wanderer, en français, Nakai le Vagabond. Un Crocsigur sacré de la première éclosion. Donc, il reste très peu de créatures de la première éclosion. Actuellement, les deux seuls sont lui, Nakai, et Lord Croak, la momie, le seigneur lézard momifié Slan. Voilà. Il possède une arme magique, c'est la lame sacrée de Kedz. C'est une arme, c'est une lance, donc cette arme aurait une sorte de conscience, et ce qui ferait que ça serait l'arme du dieu Kedz en personne, et que Kedz ferait de Nakai son outil pour repousser les sangchots, grosso modo. Ouais, la lance là, vous. Allez, le duel entre les deux va commencer. Et le Dreadsaurien qui arrive au bon moment. Allez, mon gros. Il y a Marcus qui est prêt à se viser. Voilà. Pour le DLC, donc on va le présenter un peu. Je vais aller trouver le FAQ que je mettrai dans la description de la vidéo. On verra ce que ça donne, évidemment. Donc, alors. Le chasseur et la boîte comprennent. Ils ont déjà leur mécanique. Ce sera des mécaniques différentes de la campagne Œil du Vortex, ce qui semble logique. Les deux héros, Marcus, le Wolfheart, plus Nakai le Vagabond. On aura deux nouveaux types de seigneurs, à savoir les chasseurs généraux, ça va être marrant ça. Et les anciens Crocsigur. Quatre nouvelles unités de héros uniques. Donc ce sont bien des héros, les quatre chasseurs de Wolfheart qu'on va trouver. Nouveaux mécanismes de faction, des nouvelles chaînes de quête, des objets légendaires, arbres de compétences. Et un nouveau récit de campagne, pour la campagne du Vortex uniquement, ça c'est bien. Trois nouvelles unités pour l'Empire, archers, chasseurs et les chariots de guerre. Pour les hommes lézards, les Dreadsauriens, donc ça va être le gros truc qui courrouille après le chariot, les Crocsigur sacrés et les packs de chasse Razordon, les Razordon chasseurs, voilà. Et évidemment des nouveaux régiments de renom pour les hommes lézards. Donc le DLC sort le 11 septembre, donc actuellement nous sommes le 1er septembre, donc dans 10 jours environ. Il a moins 10% si vous le précommandez avant. Je crois qu'il a 8 ou 9 euros, ce qui est plutôt correct. Après, certains vont dire ouais, c'est du contenu gratuit. Mais à chaque fois, les gars, ils font un DLC payant et un contenu gratuit. Si vous voulez pas le DLC, prenez-le pas. Voilà. Merci. Ensuite, donc les deux seigneurs seront disponibles dans la campagne du Vortex et de Mortal Empire, de l'Empire Mortel. Les nouvelles unités, j'en ai parlé. Alors, on va regarder un peu les mécaniques inédites pour chaque seigneur, pour chaque héros. Donc Marcus, des chasseurs de Wolfheart, donc il va devoir rechercher 4 héros qui vont tenter de l'aider pour sa quête et son aventure illustrée. Donc, nous avons Jorek Grimm, qui est un ancien brillant ingénieur. Il a été exilé pour ses idées excentriques et il s'est lancé seul pour tenter sa aventure en illustrée. Roderick Langui, qui est un paladin renommé, donc c'est un ancien seigneur de Bretonnie ou un héros de Bretonnie. Il a été déshonoré puis exilé, donc il est orienté par un passé qui ne peut échapper. Erdvig von Hall, qui est un chasseur de sorcières, mais aussi un médecin expérimenté. Peut-être qu'il aura des bonus de reconstitution, qui sait, ma foi. Il s'est rendu loin de chez lui à la recherche de vengeance ultime. Et Kalara of Widriot, donc ça va être une elfe sylvaine, donc peut-être une héroïne, qui est une Wastalker, donc une chasse, peut-être chasseuse de tête ou un truc comme ça. Elle a quitté ses forêts d'Athel Lorraine, donc pour venir en Ustrie. La mécanique du mandat de l'empereur, donc évidemment, celle-là, si j'ai bien compris. En gros, ça dépendra du succès de Marcus dans le Nouveau Monde. S'il a du succès, ça veut dire qu'il aura plus d'unités intéressantes à recruter en termes de qualité et en termes de nombre. Et moins le mandat de l'empereur est bon, bah, moins nombreuses sont les qualités d'unités et leur nombre. Donc après, ça va aussi développer de la tension avec les locaux, donc les hommes lézards en particulier, ce qui va dire qu'il risque d'avoir des problèmes avec eux. Dans la campagne Œil du Vortex, remplir la barre du mandat de l'Empereur obligera Nakai le Vagabond à lancer un dernier défi à Marcus Wolfheart. Donc il va remporter une bataille finale en gros, si je comprends bien.
Donc, par contre, pour Empire Mortel, c'est une expérience en bac à sable. Nous vous laissons faire comment compléter la campagne. Donc, c'est libre. Donc, il y aura peut-être des objectifs différents à voir. L'hostilité. Évidemment, ouais. Vous allez vous rendre dans un nouveau monde en mode conquistador pour piller des villages et tout ça. Évidemment que les gens ne vont pas apprécier, ce qui est logique. Donc, en gros, plus on sera agressif, plus la barre d'hostilité va monter. Il y a 5 niveaux. Donc, à mon avis, peut-être c'est un petit peu comme le. Un petit peu comme le système avec les rituels, donc je sais pas, c'est une supposition là-dessus, mais pourquoi pas. Donc en gros, s'il y a 5 niveaux, ça veut dire que si vous êtes au niveau à fond, il va falloir tout faire en sorte de vous défendre et de tenir avant que la barre de hostilité ne se réinitialise. En fait, alors, au fur et à mesure que les niveaux d'hostilité sont montés, les renforts sont envoyés plus fréquemment via le système impérial, ce qui est logique, parce que ça veut dire que le succès de Marcus est fort, le succès de Marcus est fort en termes de lustrienne. Et du coup, les renforts sont plus importants. Voilà. Lorsqu'un pic d'hostilité sera atteint, il y aura différentes sanctions pour Marcus. Une force d'intervention de Mésar pour faire échouer son expédition. Il recevra aussi une chute de ravitaillement impérial. Donc ça, c'est cool, le système de ravitaillement. C'est dommage qu'il n'ait pas repris pour tout le jeu, mais bon, ça aurait pu avoir quelques complications. Et il devra survivre plusieurs fois avant que la barre d'hostilité ne se réinitialise. Oh! Alors maintenant, on va voir du côté de Nakai, ce qu'il nous apporte comme chose. Envahisseur de chanceaux. De sang chaud, pardon. Plusieurs colonies de l'Empire ont été établies, chacune d'entre elles empiète sur la même. Elles doivent être détruites. Il y a aussi quatre chasseurs dangereux qui coordonnent les efforts des sang chauds. Il faut les traquer pour désigner leur chef, puis les battre tous dans une type confrontation avec une campagne du Vortex uniquement. L'armée de Nakai, donc l'esprit de la jungle sera en horde. Donc du coup, il faudra qu'elle développe ses propres infrastructures et tout ça. Ensuite, elles ont leur propre arbre de construction. Certaines d'entre elles se concentrent sur la réduction du temps global de recrutement et d'autres sur le dévoilage d'unités. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ça permet une spécialisation des hordes, mais c'est un risque aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire très attention aux hordes, comment on les développe et surtout bien les protéger. Et ça améliore aussi la qualité de horde, ce qui est logique. Il y a aussi l'unification des choix de recrutement sous Nakai qui permet de gagner du temps, des coûts et du temps qui serait autrement nécessaire pour construire les mêmes bâtiments de recrutement sur plusieurs hordes. Ça, c'est bien. La défense du grand plan, donc en gros, si je comprends bien, les défenseurs du grand plan seront des vassaux qui seront implantés, eux, et à chaque fois qu'une conquête de ville sera faite par les forces de Nakai, il devra les remettre aux défenseurs du grand plan. Et il devra choisir aussi le temple auquel Dieu il sera dédié dans cette nouvelle ville. Évidemment, ça rappelle un peu le système aussi avec les Norse. Bon, c'est pas un système de temple, mais le fait de raser des colonies pour un des quatre grands dieux du chaos, le chien, le corbeau et les deux autres, ça fait penser un peu à ça. Et ça donnera plus de bonus et de satisfaction à la faction de Nakai. Ensuite, ces temples génèrent une ressource unique appelée la faveur des dieux. Cette ressource peut être utilisée pour fournir une assistance aux vassaux via des rites uniques, augmentation de revenus et la visibilité des vassaux qui permettra de recruter des unités de création bénies donc. Là, c'est des unités spéciales qui coûtent rien en recrutement, mais qui sont un peu plus fortes que les autres. Ou encore des héros et des slams de niveau supérieur. Ça, c'est cool. Alors, trois nouveaux rites pour Nakai. Le rite d'allégeance. Ça provoquera de l'attrition sur les ennemis des vassaux de Nakai. Donc, un peu comme les rois des tombes quand une armée ennemie arrivait sur leur terre. Donc, on pouvait lancer un rite qui faisait en sorte que l'ennemi souffrait de pertes et d'usure. Le rite de renaissance qui permet d'appeler pour les vassaux de Nakai une armée d'hommes lézards pour aider à protéger la ville, ça c'est cool. Et un rite de maîtrise, ça c'est pour les armées, donc ça permettra d'augmenter l'expérience des Crocsigors recrutés, Crocsigors sacrés et Crocsigors anciens. Ça améliore aussi la puissance et l'armure de leurs armes, ça c'est cool. Voilà pour le DLC. Concernant le Free LC, donc on a deux bonnes nouvelles. Donc le nouveau seigneur légendaire. Gorok, que certains attendaient avec impatience, le Saurus blanc, comme on l'appelle. Donc lui, c'est un vrai combattant. Donc il a deux objets magiques, la masse du Lumax, c'est une masse magique, et le bouclier des éons, qui serait un bouclier qui aurait été fabriqué au plus profond d'un volcan. Donc c'est plutôt intéressant. Donc peut-être une défense contre le feu accrue, quelque chose comme ça, ou peut-être une possibilité d'attaque enflammée, qui sait. Pourquoi pas avec le bouclier, ça pourrait être marrant. Mais bon, là, je suis dans la spéculation. Et aussi, donc, il va y avoir un remaniement de la région d'Empire Mortel, enfin de la carte d'Empire Mortel avec des batailles de forts d'Empire. Donc ça va être intéressant, on va suivre ce que c'est. Et peut-être une nouvelle position pour, je crois, Balthazar Gate, si j'ai bien suivi.
Donc alors, on va regarder. Nouvelle région de carte de campagne, province Solane. Donc ça, c'est une région impériale qui a été rajoutée dans les frontières de l'Empire. Des régions avec des cols de montagne qui ont été rajoutées entre l'Empire et ses voisins, ainsi que tous les nouveaux champs de bataille des colonies d'Empireport similaires aux portes de Web. Ouais, ça c'est cool, ça veut dire que les cartes impériales, elles seront assez conséquentes. Une nouvelle province et des régions ont été ajoutées pour Albion, ça c'est cool. Parce que bon, honnêtement, le découpage d'Empire Mortel, je suis assez mitigé dessus. Des nouvelles factions d'orques et de elfes des bois, d'elfes sylvains si vous préférez, ont été rajoutées dans les régions de Drakvald et les Westlands de l'Empire. Les forts de l'Empire sont des passages montagneux, ça va être marrant. Une nouvelle position de départ pour Balthazar Gelt. J'ai envie de dire, il était temps. Parce que bon, Balthazar Gelt, c'est bien qu'il soit dans l'Empire, mais en tant que patriarche suprême, je pense qu'il pourrait avoir sa propre faction un petit peu magique et des soldats, quoi, par rapport à son domaine du métal. Donc il sera au départ de Solnand, au sud de l'Empire, avec sa faction Lord Order. On peut du coup faire une campagne coop avec l'Empire, vu que l'Empire n'était qu'une seule faction. Maintenant, on en aura deux minimum. Peut-être trois avec Marcus si c'est un nom spécial, mais je ne sais pas. Mise à jour de la feature de Vieux Monde de l'Empire. Donc là, on va passer de l'ancien système de fonction au système des comptes électeurs. J'ai envie de dire, il est temps. Je ne comprenais pas pourquoi dans le premier, on n'avait pas ça. Je ne sais pas s'ils le font dans le premier, mais ça serait cool qu'ils le fassent, parce que je trouve ça dégueulasse que ce soit que pour le 2 et pas pour le 1. À mon avis, parce que j'estimais que bon, les fonctions étaient bien, hein, c'est, je dis pas le contraire, mais qu'on ne puisse pas contrôler les comptes électeurs via de la manipulation diplomatique, des petites faveurs et tout ça, alors qu'avec la Bretonnie, on avait un système technologique qui augmentait les relations diplomatiques avec eux, plus la chevalerie, pour les confédérés. Ça, je trouvais ça aberrant, quoi. Mais bon, on verra ce que fera Sega là-dessus, mais mon avis est tranché sur le sujet. On aura deux nouvelles ressources, le prestige et l'autorité impériale. Cela permettra d'améliorer la loyauté des autres électeurs, ce qui est logique, soit par la biais d'une machination électorale ou des dilemmes impériaux pour accroître notre autorité sur l'Empire. 13 postes de comptes électeurs à commander, y compris en Sylvanie, parce que la Sylvanie c'est une terre humaine, ancien compte électeur impérial, depuis l'arrivée de Vlad, je crois, y compris dans les terres sauvages, ok. Des récompenses uniques. Les runefang, donc les crocs runiques, ce sont des épées que chaque comte de l'Empire porte. Karl Franz en porte un, même s'il utilise plus le marteau de guerre. Boris Stormbringer en a un aussi. Ou encore le comte fou d'Averland, Marius Leydorf, par exemple. Et ses récompenses et unités exclusives pour commander les capitales d'un État. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait des unités spécifiques à chaque fois de chaque comté? Ça pourrait être intéressant. À voir. Sinon, bah, il n'y a plus rien à dire. Système des agents terre est maintenant défoncé dans toutes les plus économiques. Je ne sais pas ce que ça se traduit, donc j'ai traduit en français, donc on verra. Donc je répète, le DLC, le chasseur et la bête, sort le 11 septembre 2019, donc dans 10 jours. Voilà. Je pense avoir fait le tour du DLC, du Free LC. Je sortirai la vidéo. Donc là on est dimanche, je pense que je la sortirai demain lundi. Comme ça, vous pouvez vous faire votre avis dessus. J'aimerais que vous me commentiez, vous me pensiez ce que vous pensez, enfin que vous me disiez ce que vous pensez de ce DLC, de ce Free LC. Donc bon, moi je pense qu'honnêtement, ils auraient dû faire ça sur le premier opus de base, mais bon. Après, je peux comprendre que pour des raisons X ou Y, voilà, il y avait d'autres projets et tout ça. Mais bon, ce serait cool qu'ils n'oublient pas le premier Warhammer qui a quand même attiré du monde. Mais je pense pas qu'on va le voir malheureusement. Après, c'est mon avis. Voilà. Je vous remercie à tous pour avoir suivi cette vidéo d'annonce sur ce DLC, un peu d'analyse et de donner mon avis sur le sujet. Je ne prétends pas être un influenceur, attention. Je tiens que chacun se fasse sa propre opinion sur ce DLC, c'est le plus important. J'influence personne, j'incite personne à acheter. Même si moi je pense que je vais l'acheter, personnellement il m'intéresse. Et surtout, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne, les vidéos et tout ça. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description, financièrement ou moralement. Et je voulais remercier tous les tipeurs. Donc, encore une fois, je le fais souvent. Donc. Nascar, Mangazor, Toufti, Alexandre, Joshua. Donc, je voulais vous remercier pour vos Tipeee, ça fait toujours plaisir. Donc, là, je pense qu'avec l'argent que vous avez donné, je vais m'en servir soit pour mettre de côté pour un nouveau PC, parce que bon, il y a 3 ans, le mien, vous me direz, mais pourquoi pas garder un peu de sous de côté, ou acheter le prochain jeu qui m'intéresse après de Frontier Développement, Panezzo. C'est un des deux achats que je vais faire. C'est l'achat que je vais faire pour cette fin d'année, c'est sûr. Et voilà.
Je vous remercie à tous de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.